Recording. Okay, so we will do a short prayer at the beginning. Vous avez compris? On va prier un peu au début. Om sanje chodan soje chonamalan chanjo bharato dane japson che dake jinso jibe senam je dola penjre sanje dubarisho sanje chodan soje chonamalan chanjo bharato dane japson che Dāgē jīnsō jībē sēnam jē rōlā pēncirē sāngjē rūpārāi shōyīn sāngjē chōdān sōjē chōnamārā chāngjō pārato dāne jābsōnchē Dāgē jīnsō jībē sēnam jē Dola Pinchere Sanjin Dubarai Shoin Simjin Tamje Deva Dan Deve Judan Dembarai Chuji Dunghala Dan Dunghala Je Judan Talabarai Chuji Dunghala Mebe Deva Tamba Dan Mendalabarai Chuji Nere Chadan Dan Chave Danyam Chimbola Nebarai Churuji Since we're in France, so bonsoir, everybody. Bonsoir, vous avez compris. Non? Ah oui, ah d'accord. Eh bien, on est en France, donc on dit bonsoir. Okay, so today, so we are going to talk about tema. In the Tibetan, so in a usually yeah, in a Sanskrit we call it the Paramana. Mm. So it is not that we are going to talk very much in the detail. So it is because only for the 2 days we are going to do like an introduction kind of. Mm. So due to that, so please like it is not very like we will not going like a very classical way, very academically way. So we just make it more open and like a conversation about this introducing Paramana thema. Donc on va, thema, français la gloire de thema dit. Là. Thema. Yes. Français la gloire. Oui. Indique valid cognition d'abord. Indiquer là, donc on va étudier Tsema en tibétain, Pramana en sanskrit, la théorie de la cognition valide en français. On ne va pas aller dans les détails parce qu'on n'a que 2 jours, donc ça va constituer une simple introduction. Hein, okay on ne va pas rentrer dans les détails académiques et de la manière d'enseigner de manière classique cette théorie de la perception. On va plus faire comme un genre de discussion un peu ouverte, une conversation. Ce modèle-là. So, for the theme, actually, this valid cognition of Paramana. Mm. So, this is not only Buddhism, so it is like common field for the all different philosophical classes philosophical school. Ah, donc quand on parle de la théorie de la perception, donc la théorie de la connaissance valide, c'est pas quelque chose
qui est l'apanage exclusif du bouddhisme, d'accord? C'est un champ commun à pratiquement toutes les écoles philosophiques, les écoles de pensée. But like, and especially, so when we talk about this, like Paramana and Sema teaching, so usually we say there's a no like not really like a particular sutra which is only talking about the Sema, because it's just like picking up from the different sutras and then so yeah, due to that, there's an Indian master, great master called the Dignaga. So he composed like, so he's the one like more or less like founder of the Paramana teaching within the Buddhism. Quand on parle de Pramana Tsema ou la théorie de la perception ou disons la théorie de la cognition valide, il n'y a pas un sutra en particulier qui développe uniquement ce thème. D'accord, sutra, c'est-à-dire un discours du Bouddha, hein, qui est uniquement, exclusivement consacré à Tsema ou Pramana. Mais on peut dire que c'est un peu disséminé dans tous les discours canoniques, dans tous les sutras. Mais il y a un maître indien, Dignaga, qui a en quelque sorte fondé, disons qui a rassemblé différents aspects, qui a fondé la théorie de la perception, la théorie de la connaissance valide, la cognition valide. Konge, tine jidang di seme tenju tende mangbo ji tsambo yu sabes. Tesu tsamage, te seme gen do dan tenju tsamage tu tuanda tsu ruru chine, tine tsema ndo la na re, tsema kun du bas tende jidang di tsambo yu sabes. Tsema du e? Tsema ndo la na re, tsema kun du bas yu sabes. Kun du bas na? Kun du. Kun du means combination or collection. Lasso. C'est ma connu tout pas. Donc l'open de langue, enfin on va dire le maître Dignaga a rassemblé beaucoup de discours directs, d'autorité scripturaire directe, de sutra du Bouddha concernant cet aspect de connaissance, cognition valide. Et également, il a pris des commentaires, il a fait ses propres commentaires, il en a tiré le sens et il a fait un peu comme une compilation ou un compendium de toutes les différentes occurrences de cette théorie de la perception. Usually people think when we talk about the tema, it's meant for the debate only. So it is not really, nothing much to do with the practice. So that is like what we usually think when we talk about the tema and Pramana teachings. En général, quand on aborde ce thème, la théorie de la perception valide, on pense surtout au débat. C'est ce qui meuble, c'est ce qui fournit la matière au débat. Donc les débats, hein, les controverses verbales, okay, les débats philosophiques. Presque exclusivement, on ne met pas tellement ça en relation avec la pratique. And we used to know some of the elder monks, we used to say that if you study too much Sema, you will become an expert in complaining. so always like complaining and then like arguing. So this is like what sometimes people have this kind of the assumption. Et donc il y a des un peu comme des dires, hein, ou des dictons, on dit dans les monastères qui tournent,
qui court, les vieux moines disent que si, comment on va dire ça, si tu étudies trop pramana, si tu étudies trop cette théorie-là, alors tu vas devenir un érudit, un expert dans la complainte et dans les débats. Arguing en anglais, c'est plus les disputes, quoi, hein. Tu vas devenir un super érudit dans les disputes et la complainte. Et donc, il y a un peu cette connotation, okay, hein, cette connotation qui tourne, qui est assumée un peu arbitrairement par les gens autour de Pramana, autour de cette théorie-là. But like if you really want to analyze the and if you want to examine the teachings from the Buddha teaching, so without understanding proper like a Sema, so it is very difficult to analyze the teaching of the Buddha. Due to that, so Manjushri, he has predicted when like this Dignanga, when he composed this Temakunda Tupa, so then he predicted, no, he predicted, Manjushri predicted that your teaching will be became eye for the all the sutras and all the teachings of the Buddha, eye for the. Ok, donc ça, c'est un peu comment dire, qu'en dira-t-on, enfin, les paroles qui tournent autour de cette théorie de la connaissance valide, mais quand on analyse les choses, hein, qu'on se penche sur la question, on voit que dans l'enseignement du Bouddha, si on comprend, alors de toute manière, vous avez compris, hein, c'est un peu en anglais, que dans l'enseignement du Bouddha, il est très difficile de comprendre l'enseignement du Bouddha de manière approfondie sans comprendre cette théorie de la connaissance valide, sans comprendre le pramana. À tel point que lorsque Dignaga composait son compendium de la connaissance valide, Manjushri, en apparition, hein, Manjushri a prédit que son enseignement, donc sa postérité, en fait ses commentaires, seront comme les yeux pour l'enseignement du Bouddha, pour comprendre l'enseignement du Bouddha. So that means like if you understanding Paramahansa teaching, then you are capable to do analyze and to see and more deeper meaning of the Buddha's teaching and to understanding more deeper. So due to that, he predicted this this your teaching will become eye for the all the Buddha's teaching. Buddha's teaching. Du coup, celui qui est capable de comprendre le pramana, qui est capable de comprendre, d'entendre, de comprendre cette théorie de la perception, a ce qu'il faut pour comprendre, pour analyser profondément les enseignements du Bouddha. D'accord? Et dû à cela, Manjushri a donc fait cette prédiction que l'étude de cette théorie composée par Dignaga serait comme des yeux pour tous les enseignements du Bouddha. Permettrait de voir l'enseignement du Bouddha. Tene, when he composed that Temakunda Tupa, that the text at the very beginning, then he pay homage to the Buddha. Tene, Semar Chupa, Dola, Penjepa, Temba Deshi Chopla, Chanthalnes. So he pay homage to Buddha because Buddha is Semar Chöpa, means because C'est ma chupa. Semar Chöpa means like Chupa, chupa, zena.
Chulpa. He is. Chulpa. Ah. Chulpa means like he is. Tsema. Tsema Chulpa. Tsema Chulpa. Means like. Sanjicha. Yeah, valid person. Mm-hmm. Yeah, because he praised Buddha because Buddha is valid person. Mm-hmm. The one reason is that Buddha is valid person. Mm-hmm. Means like yeah, reliable. Ok. J'aurais dû chercher avant valide. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Valide. Alors, donc dans son traité, hein, compendium de la connaissance valide. Dignaga, les premiers mots, les premiers vers de Dignaga sont un hommage rendu au Bouddha. Alors, il dit, afin d'être bénéfique à tous les êtres, etc., je rends hommage au Bouddha, à celui qui est valide. Il utilise le même terme de Tsema. À celui, alors, c'est dont la perception est valide, mais celui qui est valide en tant que tel. Et donc, valide, ça veut dire fiable. Costos, hein, ok, conséquent, fiable. Et donc, je rends hommage à la validité même, okay, à la fiabilité même, à la personne du Bouddha. So for like a Buddhist, it is very important. Yeah? If you are following, if we are Buddhist, so we are following Buddha. When we are following Buddha, we are relying on him. Yeah? We are relying on him. So if he is not valid and if he is not reliable, that is a big problem. Yeah. So we want to make sure that he is a reliable and valid Semarchupa. That I don't know how to put in English right way, but it's like in a Tibetan Semarchupa. So then, yeah, Diknanga at the beginning, so he pay homage to Buddha because he is a valid person. En tant que ce qu'on appelle les bouddhistes en Occident, en tant que bouddhiste, on suit le Bouddha, on suit l'enseignement du Bouddha. D'accord? Ça veut dire quoi? On suit l'enseignement du Bouddha, on suit le Bouddha, c'est qu'on s'en remet à lui. D'accord? Et donc, là, c'est le point nodal. On s'en remet à lui. C'est-à-dire que s'il n'est pas fiable, alors c'est compliqué. D'accord? S'il n'est pas digne de confiance, alors c'est pas possible. Donc, il faut s'assurer de sa fiabilité. D'accord, on doit être sûr de ça. On doit être sûr qu'il est tsemalchepa, c'est-à-dire qu'il est valide, il est consistant. Alors, on peut s'en remettre à lui, quoi. C'est bon, on peut y aller. Okay, et donc, c'est pour ça que Dignaga rend hommage à la fiabilité, enfin, comment on dit ça, au grand fiable, avec un G et un F majuscule, littéralement. Tsemalchepa, celui qui est la fiabilité même. So then other qualities that he has mentioned, Semarchupa, Dola Penjepa, means like the one who is willing to benefit others. Dola Pembarjepa. Dola Pembarjepa. Dola, allez, Dola Pembarjepa. Dola Nasi Simjin. Dola, non, Dola. Dola Pembarjepa. Willing to benefit others. Également, il y a d'autres attributs. Celui qui ne souhaite que bénéficier, ou qui bénéficie à autrui, ou qui souhaite bénéficier à autrui, ou qui ne fait que bénéficier à autrui. Alors, tout ça, c'est des attributs du Bouddha. Donc, c'est dans l'hommage, hein, préalable. Then again, another quality is tenpa. Tenpa means like teacher. Tenpa, tenpa. 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 Chutun King. Tenpa, teacher. Tenpa, on traduit ça normalement par l'enseignant, mais en fait, tenpa, c'est celui qui montre. Hein, celui qui montre. Donc, celui, l'enseignant, quoi, le guide, l'instructeur du dharma. Tenpa, déchet. Déchet means like sugata. Ah, déchet, déchet nimbo. Déchet nimbo. Déchet sugata. Because Buddha went to the Nirvana, yeah. Devarshekpa. Means like went to Nirvana, means Devarshekpa, Sugata. Et ensuite, Deshek, c'est-à-dire le Sugata, celui qui s'est rendu en la grande félicité ou en la félicité. Donc, c'est un attribut du Bouddha aussi, puisqu'il il réside dans l'au-delà du cycle, ce qu'on appelle le Nirvana, l'au-delà de la souffrance.
tini chop nana ta simje jin dumhal le ya chobe nibo yeng chob 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 protector that's right yeah the protect allez chop à l'habitude choba choba temba de chez chop. OK, c'est joli, c'est le guide, celui qui réside dans l'au-delà de la souffrance, dans la félicité, et qui a le protecteur, on va dire ça simplement, le protecteur, celui qui fournit la protection. So these are the qualities that he has mentioned. Buddha has, Buddha possessed this kind of quality. Due to that, so he is paying homage to Buddha. That few quality, that valid person, willing to benefit others, then teacher, and sugata, and protector. Lasso. Donc, Dinaga a énuméré un certain nombre de qualités du Bouddha, d'attributs qualifiant le Bouddha, donc de qualités, et ce qui fait qu'il lui rend hommage. D'accord ? Donc, le Bouddha est celui qui est, c'est la fiabilité même, le fiable, consistant, celui qui bénéficie, ce qui fait le bien des êtres, le guide, l'enseignant, celui qui le sugata, celui qui réside dans la félicité, qui s'est rendu dans la félicité, et le protecteur. Voilà ce qui constitue l'hommage de l'auteur. So when he prays Buddha with these qualities, among the all qualities, the first one is a valid, valid person. When we are talking about the valid person, then we must be knowing the, what is the valid. Sema koranga tanda, ye parmana. Reja, hakogura. Hakogura, we need to know. Donc, lorsque Dignaga constitue ou compose sa louange, parmi les différentes qualités, la première qu'il cite est la validité, ou celui qui est fiable. Et donc, on doit savoir qu'est-ce qui est fiable. Hein? La définition, en quelque sorte. Qu'est-ce qui est fiable? So, due to that, so he composed this text. The main purpose is to prove Buddha is a valid person. Qu'est-ce qu'être valide plutôt? Qu'est-ce qu'être valide? Et donc, en fait, il faut bien comprendre que c'est son but principal à Dignaga. Il a composé tout ce traité pour prouver fermement, pour prouver que le Bouddha est la validité même. Le Bouddha est fiable. Sanje de chibu tsema yinpo dhubwa na thambo tsema de shi kala hao kogu yores. Tsema de hao kogu ndika sala tsema la de tiga tuanda maa shiigi yores. Tsema tuanda maa shiigi yores. Donc pour prouver que le Bouddha est valide ou fiable, c'est pas super bien traduit, mais pour prouver que le Bouddha est alors je veux dire valide. Pour prouver que le Bouddha est valide, il faut définir la validité. Pour prouver que le Bouddha est valide, il faut comprendre ce qu'est la validité. Et pour comprendre ce qu'est la validité, il faut la définir. Alors, maintenant, on y va. Quand on parle de cognition valide, il y a deux grandes catégories de cognition valide. Il y a la cognition valide directe, la cognition valide inférente. Valid cognition tela she on the gasola, tene that the sheba semantela, tene carcere, ta
니어스 무슨다 제바세마 니어스 나서 근데 무슨다 제바세마 니 가지는 얘기하는 시험도 가서 율 제바세마 되게 율텔라 랑센다 진세 니어스 되게 좀세나 되네 데 제바세마 들라야 율 한가가 임비 좀세나 되네 유진 제바자 가가 랑센 돈 쟁센 아 랑센다 진세 센 오케이 랑랑 Rangsend the ginseng and I don't know how to translate that day. Did you get it? The Hagona, you see my Rangsend on Rangsend. Rangsend, so 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 loud? Rangsend Lana, the Mubo, this tuba. Mubo color, that's like a kind of existing kind of Rangsend is existing. Ginseng is like a, more like a color, chi dao. Chi. No. That's it. Then song Munsum don't jipakra. The Tematala near Munsumina Rangsen. No, there is two valid cognition. Munsum Lanant, Munsum don't jipak. The Munsum the Jeba near us. And in Yul near it. Because there is two different objects, so due to that, they're distinguishing two different valid cognition. Rangsen don't jipak. There are two objects. One is Rangsen and one is Jinsen. I don't know how to translate in English. OK. Pourquoi? Alors on y va doucement. Pourquoi? Alors, parce que normalement, tibétain, on dit Tsema. Et Tsema, c'est juste être valide. Mais alors, tout de suite, on traduit par cognition valide. Alors, il faut préciser, évidemment, qu'on parle de la conscience. D'accord? Qu'on parle de la perception, ici. Le fait d'être conscient, de percevoir. OK? Pour l'instant, on ne fait pas la différence. Hein. Conscience, je ne sais pas. Connaître, quoi. Et pourquoi on différencie deux types de cognition valide ou de perception valide? Parce que on a catégorisé deux grands types d'objets. Objets de perception. OK? Allez. Rangsen dans Jensen. Il y a en quelque sorte, on va traduire comme ça pour l'instant. On va voir. Les objets à soi, qui font référence à soi, direct, intérieur. Et les objets, en fait, tout ce qui concerne ce qui n'est pas soi, ce qui n'est pas intérieur. Donc, on va définir par rapport au premier objet comme étant extérieur. Le dictionnaire, on va regarder dans le dictionnaire. Dictionnaire? Non, Mathilde qui est aussi une traductrice chez nous. Elle dit quoi? Ça comme ça. Vide de soi. Vide de soi et vide d'altérité. Vacuité. Specially characteristic. Ah non, mais c'est pas ça. Self character. This is the same. Rangsen. Tsen. Tsen. Oh, lasso. Rangsen dans Jemsen. Okay. Rangsen, the Jinsen means like a common character. Lasso. Tsen. Tsen dit le Gomanyong. Okay. C'est simple. Alors, les deux objets sont Rangsen. En fait, c'est Tsen, c'est caractéristique. Donc c'est ça, de soi, soit de l'extérieur. Et donc, c'est les objets qui sont soit spécifiquement spécifiquement caractérisés, ou qui ont des caractéristiques spécifiques, et les objets qui sont plus généralement caractérisés, qui ont des caractéristiques générales. Mais là, en fait, nous, en français, on pourrait dire spécifique ou général pour les caractéristiques. En tibétain, ce n'est pas cette histoire de spécifique ou général, c'est les caractéristiques pour soi, les caractéristiques pour autrui, pour autre. OK? On a compris? OK. So actually, we don't have to make it complicated because when we are talking about all this like pramana and especially the direct cognition, direct valid cognition and the indirect valued cognition. Mm. So it's all talking about how our mind is functioning. Mm. So it is all about that. So you can, you can think of your own mind. Mm. Then we can when we are describing here about the paramana,
So you can analyze and you can think of your how your mind is working. Donc, bon, pas besoin de trop rentrer dans la technique, hein, pas besoin de faire trop compliqué. On parle de cognition valide directe ou cognition valide afférente ou indirecte. En fait, on parle de quoi? On parle tout simplement de la manière dont fonctionne l'esprit. Et donc, chaque fois qu'on entend des termes un peu techniques comme ça, il faut revenir à la façon dont fonctionne son propre esprit. D'accord? C'est revenir à voilà, le fonctionnement de sa conscience, quoi, de son esprit. C'est ce qu'on explique ici. So, due to explain about this like a valid person, so we have to explain this valid cognition because why we are saying that the Buddha is a valid person is because Buddha has a valid cognition, which is like so which we will describe, which we will talk later on. The Buddha has valid cognition. Yeah, Buddha is a valid person because he has a certain certain type of the valid cognition. Certain type. So due to that, we are calling Buddha is a valid valid person. Déjà. Okay. Donc, pour prouver que le Bouddha est une personne valide. Okay, il nous faut expliquer la cognition valide, ce qu'est une cognition valide. Et donc, on va donc, toute la démonstration va en fait prouver que le Bouddha, on va en fait expliquer que le Bouddha possède un certain type de cognition valide, ce qui fait de lui une personne fiable. On peut s'en remettre à lui, on peut. Hein? Ok. Then. So since then we are explaining here, first we will explain the direct this valid cognition. On va expliquer ce qu'est nunsum sema. Nunsum sema, on traduit ça par cognition valide directe. Nunsum, c'est évident, manifeste, hein, devant soi. Donc on a traduit ça par direct. Ok, bon, cognition valide directe. Alors normalement on dit qu'il y a deux grandes catégories de cognition valide, mais pour entrer dans les détails quand même, il y en a quatre en fait. Il y a la cognition valide directe sensorielle. La cognition valide directe, comment dire ça, du mental, de l'intellect, yid. Yid, je ne sais pas trop comment, des fois on est traduit par mental, des fois par intellect. Ok, donc mental, cognition valide sensorielle, cognition valide mentale, cognition valide rangrik en esagouré, rangrik indiqué. Self-knowing. Ok, la cognition valide de l'autoconnaissance, rangrik, autoconnaissance, on va voir après, et la connexion, enfin de la quatrième, cognition valide, yogique. Ok, on a compris, donc quatre types de cognition valide, hein? Des sens, du mental, autoconnaissance et des yogis. Pena Maransoga Calavera, in a Shebatige, Shebatige, Yulkuran Munsum to Tongue Lagueras, Yulkuran Munsum to Tongue Lagueras, Cartucuran Lagueras, Cartucuran Tongue Lagueras, Tigi Jumsen Latinate, Musum Temas, Tide and Ducasola, Musum Semalatela, Tine Namto Yomar Lagueras. Ah, top what in the Yamaras Lagueras. Topara, top what you mean, on that.
Pourquoi on dit Nulsum Sema et qu'on traduit un peu mal par cognition valide directe? Parce qu'en fait, c'est une opération cognitive qui consiste à percevoir directement l'objet de connaissance. Et comme cette perception est directe, manifeste, évidente, non discursive, directe, quoi, immédiate, alors on qualifie ça de cognition valide directe. Le Nulsum, c'est ça le mot important. Et donc voilà, la conscience perçoit directement son objet sans réfléchir. Il n'y a pas de pensée ici, il n'y a pas de fabrication mentale. L'objet est perçu manifestement, pas direct. If we give example, for you, when you see like mazogeta de kalawara de miato tongura, the ball de tongura, tonduga sole, nazoge kalawara, de koran, unekara, tongur lagures, unekara. En fait, pour prendre un exemple hyper simple, quand on voit les fleurs là, devant nous, ou qu'on voit le bol, on voit les fleurs ou le bol. Ok? Directement. On les voit vraiment de nos avec nos sens quoi direct ok So according to the Savatantrika, according to the Savatantrika school, so they describe about how the external object and how we see the external object. Donc cette partie, il y a une partie de Tsema, une partie de la théorie de la connaissance, de la théorie de la perception, qui est au niveau en quelque sorte, on peut dire tanié, donc. On peut traduire ça par superficiel, relatif, conventionnel. En tanier, c'est divisé hein, dans la variété donc, ou nommé. Et donc, on peut dire conventionnellement est décrite la cognition valide de la plupart des existants, des objets, par l'école de base, l'école Sautantrika. Les Sautantrika décrivent la manière dont les objets conventionnels sont perçus conventionnellement. It's like different, yeah. So other than the mind, so it's like a separate, yeah. Mind and the object is separate, different. It's like knowing itself, yeah. Yurdan Sheva Tade Yomaris, knowing itself. Ne Nanjungusumke Nanjungusumke Tinikalawara Randa Sheniga Tunguris. He knows it knows itself and at the same time that it knows others like external object as well. Maintenant pour introduire une autre d'autres catégories ou une autre manière d'aborder cette cognition valide, en nous sommes directe, hein, directe, évidente.
il y a la cognition valide des objets en quelque sorte extérieurs à la conscience. Donc, c'est la connaissance valide directe sensorielle ou la connaissance valide directe, on peut dire intellectuelle, mentale. Là, la conscience et l'objet perçu sont des choses différentes. OK ? Il y a, troisième sorte, l'autoconnaissance valide directe. Là, c'est la conscience qui se connaît elle-même, qui perçoit ses propres modes. Et du coup, l'objet et la conscience ne sont pas deux entités séparées, différentes. Et puis, il y a la perception directe yogique, la perception valide yogique. Directe. Là, il est deux. Hein. Les objets sont perçus et ceux qui perçoivent les objets est également perçu. Donc, il y a intérieur, extérieur. Soit autrui. La conscience perçoit les objets et la conscience perçoit également la conscience. Les deux. Ça va? Soit comme autrui. Ça va? On suit? Tene ta tege nane ta tambo dure ngosum yora ta kalo chiru ge den rinkin ge ngosum ni ge nane tambo ombo ngosum de sena Ombong musimdishan, ombong musim lah itu kanda cili lagi orang nasional. Tengah orang sama lah ombong musim yudderes, orang sama lah ombong musim yudderes. Donc, dans cette catégorie, en quelque sorte extérieur, objet, on est déjà caractérisé à l'extérieur. Extérieur. Donc, la première des perceptions valides directes, c'est la perception valide directe sensorielle par les sens, organes sensoriels. Et donc, on en est tous dotés. On a tous une cognition valide directe. On est tous soumis à la cognition valide directe sensorielle. Wangpo, c'est faculté normale, faculté sensorielle. So, wangpo ngosum la, tachetan wangpo ngosum na shegi yores. Mi, nawa, na, je, lu. Voilà ça. The five senses ka je, kala wore, te ga je, te sheba te la, te... Donc, il y a cinq types de cognition valide directe. Hein. Cognition valide directe visuelle, auditive, olfactive, gustative et tactile. Hein. Par les yeux, les oreilles, le nez, la langue et la peau. Donc, ça, c'est en tout cas, c'est simple, c'est les sens, les cinq facultés sensorielles. Now, so we can think like... For example, so like when we see this ball or this flower, how you see it? So like what are the conditions is required in order to perceive or in order to comprehend this flower or ball? Mm. So what is the condition is required? Donc maintenant on pense un peu, pensons. Lorsqu'on voit ces fleurs ou ce bol, comment voit-on ces fleurs ou ce bol? Enfin, comment on les voit, hein? C'est comment ça se fait qu'on voit, comment on voit ces fleurs et ces bols et ce bol, c'est-à-dire quelles conditions sont requises pour parvenir à la perception de ces objets, pour parvenir à appréhender ces objets avec les sens. Qu'est-ce qu'il faut pas? Ah ouais. On voulait pas. Yeah. Okay. Allez, allez. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Like usually, like when we, no, when we, like when we comprehend or when we knowing something, so we always mixed. Yeah? So we don't really know like how this like very. Usually our mind is very complex, yeah. So we don't really know how it is functioning because we always mixed all the consciousness. So you just mix together. Sometimes you think that like that your concept, the topa, and then that your consciousness of your eyes, migsheva. So you think these are all like same kind of you always mixed all this together. Now in here, so it is like distinguishing
each and every like mental aspect and how they're functioning. Mm. So this is like so one part is like very important for how the mind is functioning. So it will help you to understand. Mm. Alors, c'est important, intéressant parce que quand on sait quelque chose ou quand on comprend quelque chose ou quand on perçoit quelque chose, c'est tout mélangé. On ne fait pas tellement la différence entre tous ces aspects-là parce que l'esprit est doté d'une complexité telle qu'on ne comprend pas toutes les opérations en jeu. OK ? On ne sait pas tellement comment ça fonctionne, tout ça. On mélange un peu les consciences et puis avec les projections, enfin les concepts, torpa, un peu les projections, les concepts qu'on a à propos des choses. On mélange tout ça. On mélange, par exemple, la conception avec une certaine conception infraconsciente qu'on a avec la conscience visuelle. Et donc, on n'arrive pas à différencier exactement les différents éléments qui sont dans le processus de la perception. Or, et donc pour cela, ce qui va nous aider, c'est que le maître Dignaga vraiment distingue chaque opération, chaque aspect mental, chaque fonctionnement. Et ça, c'est très important pour nous pour arriver à comprendre comment fonctionne notre propre esprit. Tene ngazo chitan de ta mixe ge ombo ngosum la ombo ngosum la tene jinsum sangur la ge res jinsum there's three condition is required when you are seeing one object dache mixe tema dache dache mana ta koran ge dominant dominant condition. Then the second is mikjin. Object factor. Ani dematarkin. Dematarkin is like color, like immediate condition. Immediate condition. Ken sum. Bon, alors, on y va. Pour, par exemple, produire une perception visuelle, ou n'importe quelle, pour produire une perception sensorielle, il faut principalement, on va dire ça, principalement, trois éléments, trois conditions. Il faut que trois conditions soient réunies pour que la perception soit produite, perception sensorielle. On a toujours une perception directe, sensorielle, ok. Il faut une condition maîtresse, des fois on dit cause, mais condition maîtresse, dominante ou maîtresse. Il faut une condition, on va appeler ça condition objective, mais l'idée c'est objet, condition objective, et une condition immédiatement précédente. Lorsque ces trois facteurs sont réunis, la perception a lieu. Pena, so if we give example the object of the condition, object condition. Mikken. Mikken da charge na shiva na. Mikken te, so when we see this ball, so this ball will not come in your eyes. Yeah. Uh-huh. This ball is there only. Your eyes is there. Okay. So like this ball will not come in your eyes. Yeah. Ko yungu ya maras. Ra. Ko ge karichi ge lanna. Dige number tege lagi yores. Number. Number. Kala wora number la wora. Imprint. Imprint. Number. Yeah. So it gives imprint, which will arise in your mind. Mm. So that is what we call the seeing this ball. Seeing. When we see this ball, yeah. So how we see this ball is like it. So according to the Paramahansa teaching, it is saying
the ball is not coming in your eyes. Your eyes is remain there, but this ball will give you some kind of reflection or imprint, so which will appear in your mind. That is what we call the I see this ball. Okay. Par exemple, une condition objective, la deuxième condition objective. On prend l'exemple de la vision d'un bol, du bol. Bon, alors, comment on voit le bol? Comment s'organise la perception visuelle du bol? Okay. Alors, le bol, il ne vient pas dans les yeux. C'est pas comme ça qu'on perçoit le bol. Mais on perçoit namba. C'est bien, c'est intéressant, namba. Okay. Namba, on perçoit namba. Alors, des fois, on traduit namba par un aspect ou une réflexion ou une forme du bol. Okay. C'est ce qu'on perçoit en fait, une impression. Ça impressionne la conscience, comme une empreinte. Okay. Ça impressionne la conscience. La conscience est impressionnée par l'aspect du bol. D'accord ? Ça apparaît à l'esprit. Et c'est ce qu'on appelle voir le bol. So, yeah, that is why we call this ball is so this ball is mission. Yeah, it's condition for the object because it is helping to see the ball. Yeah. Ani mikien di monere di bol monere koran rangre. Un bol koran rangre. Voilà. Donc quand on appelle condition objective, c'est l'objet. C'est l'objet, quel qu'il soit, par exemple, en l'occurrence, le bol, c'est ce qui va aider à produire cette impression qui apparaît à l'esprit. C'est ce qui va aider à... Le bol va aider à voir le bol. En tout cas, cette condition objective va aider la perception visuelle à se produire. That one thing that I want to remind is because we shouldn't be mixing up with the different schools, different schools, because now when we're talking about seeing this ball and then the ball is giving a reflection imprint in your mind, all this kind of the explanation is in a Sawa Tantrika school. Dodepa. When he's talking about this chidyunga called the external object, so when he's talking about the external, so he's talking about the way the Savatantrika school explained. Alors, il faut être un peu rigoureux, il ne faut pas tout mélanger. Hein, quand on parle de perception d'un bol, okay, là, on parle du point de vue des Savatantrika. D'accord? Donc, on parle, c'est la réflexion d'un bol qui est, ou l'impression qui est reçue par la conscience visuelle, ça apparaît à l'esprit, c'est là comme ça qu'on voit le bol et tout ça. Ça, c'est les Sotantrika qui affirment cela parce que Dignaga, là, il présente les choses extérieures selon les adeptes, selon les préceptes de l'école Sotantrika, l'école de base, pour qui les choses, voilà, elles sont là. OK? Tenez, ta mixé que ta dachi like a domain condition. When we talk about domain condition, it's about the kalawara dil lagi organ lagi yora. Wangpo lagi yora. Wangpo la. Wangpo la do ka sala tini thada chida ang yah di wangpo tila deshe jabta wangpo yores. Wangpo la deshe jabta wangpo yores. Tini di kasi tam samre do ngaran soge. The same method, nothing. Because method, because subda nothing. Because subtawaji, means so mixed in that your language yours. Adding donc, maintenant qu'on parle de la cause maîtresse ou la cause dominante, peut-être la première qu'on a dit tout à l'heure, on parle de la faculté sensorielle. Bon, alors, il y a énormément de différents commentaires et écoles d'explication sur ce en quoi consiste une faculté sensorielle. Okay? Là, on va prendre
Enfin, une des manières d'expliquer ce qu'est une faculté sensorielle, c'est par exemple, comme l'explique dans le Keju, l'école Vaibhashika. Les Vaibhashika disent que les facultés sensorielles se trouvent dans les organes matériels, physiques, et par exemple, la faculté sensorielle visuelle a une forme subtile, lumineuse, qu'on ne perçoit pas à l'œil nu, mais une forme, par exemple, une forme de fleur Unduvara qui est à l'intérieur de l'organe sensoriel œil, hein, qui fait de matière subtile. Et donc, c'est ce qu'on appelle la faculté sensorielle. Donc, ça, c'est la cause, hein, maîtresse. For according to the like Chitta Matara, they will not say this this like that, yeah, some kind of flower shape. They will say there is some kind of energy or some kind of power which is on a alaya. Allez, ok. Alors, et donc, maintenant, les idéalistes, l'école de l'esprit seul, les Chittamatra, n'affirment pas cela. Ils disent que les facultés sensorielles, ce n'est pas des choses qui se trouvent dans les organes sensoriels eux-mêmes. Les facultés, il y a organes sensoriels et facultés sensorielles. Ce n'est pas la même chose. Okay, on parle ici des facultés sensorielles, okay, de ce qui permet, Wangpo en tibétain, qu'est-ce qu'a le pouvoir de percevoir. Okay. Donc, les facultés sensorielles sont comme, en quelque sorte, des potentialités, des graines, des potentialités dans la base de tout. OK ? Nupa, des sabens, donc des potentialités, on va traiter ça comme ça, dans la base de tout, et c'est ce qui constitue la faculté sensorielle. Tene, dode page, maran sogota, de anot mig dodo, mig womboyora, tigan la yub, nubachila ran shigay sares, in a tibian, kalozuk, tende kijashigay sama, nubachila ran shigay sares, dode page. Pour l'école des hauts tantrikas, donc l'école de base des hauts tantrikas, il y a ouais, les organes sensoriels, matériels, existent pour eux. Il y a des organes sensoriels, okay, on peut les trouver. Quoi. Et alors, ils disent que la faculté sensorielle se trouve alliée ou dans l'organe sensoriel, sans affirmer que cette faculté sensorielle a une forme particulière, comme l'école hein, des Vaibhashika. Ils ne disent pas ça. Ouais. Alors, on est dans les hauts tantrikas. Ta tenda wage khlawara wangbo la tene anaso wangbo ge tela tene anaso mishe de kala mik thongu go yores. When we are saying like blind, so like the wangbo de thola cha ne kala nyoba de me ne ko kala zo thongu yo mar dagi yores. Vous bien comprendre que ce qui prime, c'est pas l'organe. L'organe, peu importe. Ce qui prime, c'est la faculté sensorielle. Okay? C'est grâce à la faculté sensorielle que les yeux peuvent fonctionner, qu'on peut voir, que l'œil peut voir, que la conscience utilise l'œil pour voir. Okay? Si jamais la faculté sensorielle est détériorée, on peut avoir autant d'yeux qu'on veut, on ne verra pas, on sera aveugle. Ok? Narange, Sheba Namatilla, the Shigiris, the Chinte, Sheba Namat, Kijinamate. Et donc, très important, la condition immédiatement précédente, troisième, la condition immédiatement précédente, c'est en fait tout simplement l'instant de conscience qui précède. Et ça, effectivement, c'est indispensable. Que ce soit inscrit hein, dans un courant de conscience. Donc, c'est l'instant de conscience qui précède, qui constitue la condition ou la cause hein, immédiatement précédente. Judgment.
Donc, quand on parle de cognition valide directe, Nungsum, Nungsum tout à l'heure on a défini, hein, évident, direct, manifeste, dans le discours, tout ça. Lorsque, donc, par exemple, les yeux voient un objet, dans la vision simple de l'objet, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'élaboration, okay, il n'y a pas de concept et tout ça. Les yeux, simplement, on peut dire les yeux en quelque sorte, quoi. L'opération se déroule simplement, directement. Donc, les yeux voient simplement l'objet. Simplement, c'est tout. Pas autre chose. Donc, pour résumer, trois conditions, ok? Condition maîtresse, condition objective, un peu c'est du jargon, mais condition immédiatement précédente. Lorsque ces trois conditions sont réunies, on voit, ok? La conscience visuelle opère. So for according to the like. So we're just giving here for direct senses. Valid cognition. Yeah, direct senses. Valid cognition. You're talking. But usually, like for the Buddhism, so each and every result. Debu, you know, each and every result, there is many like cause and condition. So there is no one cause and one condition. Not one can produce a one condition. Yeah, there's always combination of the cause and condition will produce a result. Donc là, on va un peu élargir. Okay. Là, on parle, jusqu'à présent, on a parlé de la cognition valide directe, sensorielle. OK? Cognition valide directe sensorielle. Mais on élargit. Là. Dans le bouddhisme, ce qu'on affirme, c'est que quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, quel que soit ce qu'on qualifie de fruit ou de résultat, un événement, un phénomène, un résultat ne peut être produit que par la combinaison d'une grande variété de causes et de conditions. OK ? Toujours. On dit qu'il n'est pas possible qu'une seule cause produise un résultat, un fruit. Il faut qu'il y ait des causes, enfin, conditions, quoi, on appelle ça conditions, une réunion de conditions pour produire le résultat, l'effet, toujours. Donc, premier chapitre, on a terminé la cognition valide sensorielle. Maintenant, on va voir la cognition valide mentale. Alors, c'est pas à peine bien traduit. Hein. Yi, on ne sait pas trop. Des fois, c'est mental, des fois, c'est intellect. Ah, OK, bon, on va voir. En tout cas, la deuxième cognition valide directe, c'est la cognition valide mentale. Et c'est pareil. Pour la produire, il faut les trois causes. La cause maîtresse, cause objective et cause immédiatement précédente. Ouais, conditions, quoi. Les trois conditions. Because in like sutra, like Buddha said, like zukshepa ni namba ni te mita yila temba was like when we see any form, so there's two mind is there, like two consciousness is there, which is like
Zuchina Mikta Yila Temba was like one is that eye mm-hmm. and one is the mental mm-hmm. that he said. Consciousness. Yeah. So mm-hmm. which means like one is eye consciousness mm-hmm. and one is the mental mm-hmm. consciousness. Mm-hmm. Le Bouddha a dit dans un sutra que pour voir la forme, la vision de la forme s'occasionne par la présence de deux consciences. Conscience visuelle et conscience mentale. Donc, il faut les deux. Yeah, so for us, it's like very difficult to distinguish these two, like this mental consciousness, mental valid cognition, and then that senses valid cognition, the direct valid cognition. Because you see, like, when you see like one object, you see only that you feel and you think it is only one mind, yeah. But so there can be two. There can be a two. This one is the mental valid cognition, and one is this senses valid cognition. Alors pour nous, c'est un peu ça reste un peu théorique, un peu abstrait. Bah, on n'arrive pas très bien à comprendre, encore moins à percevoir le fait que il y a les sens, enfin la conscience sensorielle qui opère et la conscience mentale qui se combinent pour percevoir un objet. Ça c'est très difficile parce que quand on voit un objet, on pense que c'est une seule opération. Tac, on voit l'objet. Puis, on pense qu'il y a un seul esprit, one mind, comme on dit ça, un seul esprit. Il y a une seule conscience au travail, quoi. OK? Or, dans ce qu'on nous dit là, c'est qu'il y en a deux. Il y a la conscience visuelle et la conscience mentale qui se combinent, enfin, qui opèrent, qui travaillent, quoi. So all these are like just, so we are explaining like how we perceive, yeah? So this is for the normal, ordinary people. We all have this kind of the valid cognition, the direct valid cognition. So this is what we are explaining. So then maybe the main purpose here, I think we have to go to the that fourth, that Nanjungmusum, that yogic direct cognition. Donc là, jusqu'à présent, on a expliqué tout ce qu'on explique concerne les personnes ordinaires. On est tous dotés de cognition valide sensorielle directe. On est tous dotés de cognition mentale, de cognition valide mentale directe. OK? Mais Rinpoche pense que le but principal, le propos principal ici, c'est ça concerne surtout la quatrième type de perception valide, le quatrième type de perception valide directe, à savoir la perception valide, la cognition valide directe yogique. Before talking about yogics, we just say that Rangrik. Rangrik is just very short, so we just saying that like. All the mind, so it knows itself. All the mind, it knows itself. It is not hidden for itself. So all the mind, can all the mind, mind is not hidden for himself. Sheva sama, sheva sama, rank ngola. If you look at inside, so. If you look at inside, they all are like they not hidden for themselves. Rangrik, alors rang c'est soi-même et rix normalement c'est voir, connaître. Hein. Donc ce qu'on peut dire ici c'est que je traduis en mot à moi. Toutes les consciences se connaissent elles-mêmes. En tibétain c'est plus fin. Il y a nmobo. Toutes les consciences dans leur fonctionnement intrinsèque, en essence, ne sont pas cachées à elles-mêmes. Donc, elles se connaissent, elles se perçoivent elles-mêmes, percevant. OK? C'est dans la conscience elle-même. So, there is no mind which is hidden for itself. Yeah? Because of that, so whatever we see by any our mind,
So later on, we can remember it. Yeah, it's because that it mind itself is not hidden for itself. Due to that, we can remember because we have already comprehend. So otherwise, like without knowing, so we cannot remember it. Yeah. You understand what you mean? So that is why it is saying like all the mind, like whether is it like the one who is seeing external object or like looking at mind itself, all the minds, they are not hidden for itself. Due to that, when you look at inside, inner world, so all the minds are rangdik. Ah, Dinzo, that's okay. Jenpa di, allez. Yeah, so because no temper rangrik lagi mara because of the rangrik, yeah, because of the self knowing, so there is a like remembrance. So like if mind doesn't know itself, we cannot remember it. Look, mind, comment on dit ça en français? Aucune, ce qu'on traduit normalement par esprit, mais là ça va pas très bien, esprit. Aucune conscience n'est cachée par elle-même, n'est cachée à elle-même. Ça marche, c'est ça, c'est français. La conscience n'est pas cachée à elle-même. Ok, elle se connaît elle-même, elle se perçoit elle-même. La conscience d'elle-même, c'est uniquement comme ça qu'on peut se rappeler. Okay? C'est parce qu'elle peut se percevoir elle-même, parce qu'elle a cette faculté intrinsèque, qu'on peut se rappeler des choses. Donc, on peut percevoir les choses à l'extérieur, bon, ça, ok, on comprend. Mais si la conscience ne pouvait pas se connaître elle-même, elle ne pourrait pas se rappeler des choses. Ça va? Ça marche? Okay. So these are just like briefly like introducing like direct valued cognition which we have, which our like normal people we have. So and this is like how it functions also. Yeah. Then now when we come to this yogic valued cognition. Là, c'était une introduction, une présentation assez sommaire hein, ce qu'on appelle la cognition valide directe que tout le monde possède, toutes les personnes ordinaires possèdent, enfin normales possèdent, et d'une présentation de son fonctionnement. Maintenant, on va voir ce en quoi consiste la cognition valide directe yogique. So, we are saying this like a yogic valid cognition, so which has produced by your samadhi. Nanjung musum te gomjung le tene chubit tingin zila tene chebe tene mancho veri bar lagi. Donc vous avez compris, la cognition valide directe yogique est produite par le samadhi, par le tingingzin. Tingingzin en français, c'est la concentration, on peut dire ça, la concentration, l'absorption méditative. So, this is the direct valued cognition. So, which is like, so you can also distinguish, classify, Teaching power, Nanjung Musum, some be your chair. Yes, Ali, that's a lesson. Ninto la yore, Ransanje la yore, take what chamber power. Concernant cette cognition valide directe yogique, on peut distinguer la cognition valide directe yogique des auditeurs, des Bouddhas par soi et des adeptes du grand véhicule. Ça va? Ok. Tu as dit que 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 tu as dit
Dans cette dernière catégorie de yogis qui peuvent jouir de ce type de cognition vedic directe, les adeptes du grand véhicule se subdivisent encore en deux catégories. Il y a les adeptes du grand véhicule, il y a les bodhisattvas et les bouddhas. Okay? Et donc, les bodhisattvas ont un type de cognition valide directe, yogique, et les bouddhas également ont un type de cognition valide directe yogique. La cognition valide directe yogique des bouddhas est définie comme l'ultime, tartuk, l'ultime, la finale. Quoi. So I think like usually like others, like some of the other school, so they don't believe on this omniscience, the one who's knowing everything. So they don't believe on it. Because when we are talking about here, about the yogic valid cognition, especially which Buddha has this valid yogic valid cognition, which is omniscient. Yeah. Number two, just be shared with you. Yes, yes, yes. Okay. En général, il y a quelques écoles qui ne croient pas, on peut dire, ne croient pas à cette dernière cognition valide yogique. Celle du Bouddha, parce qu'ici, on parle en fait de l'omniscience. Okay? La cognition valide directe, la cognition valide directe yogique du Bouddha, c'est en fait l'omniscience. Yeshe, donc la conscience principielle omnisciente. Et donc, il y a des écoles, certaines écoles réfutent cela, elles n'acceptent pas ce type d'affirmation. Ta tege kalawara ta tege ta kalawara ta sanje te ngaso ge te chibu sema yin bo dubya te jimsen te sanje ge jula yebe ge ta nanjung musum tartu pa tege ne sanje te chibu sema yin bo dubu yores ta te thambo yang kalawara sanje ge jula yebe namchen yeshe te yang ta gadesh ne yang dubu yata te ma shi ge yores chegu yores. Le Bouddha est valide, fiable quoi, valide, avec un V majuscule ou un F majuscule. Le Bouddha est fiable et valide car il possède cette cognition valide directe yogique ultime et définitive. Voilà. C'est corrélé. Maintenant, il faut donc expliquer en quoi consiste ou comment est accomplie cette omnisciente cognition, cette omnisciente conscience, cette omnisciente conscience principielle. Bon, des fois, on traduit ça par sagesse primordiale. Okay. Voilà, il faut expliquer cela. Il faut prouver. Nikala, dame but to be shut up down. Nikala, tap ninji chimbo. Till a tene, Nikala, dame to be shut up de nilengi ju chene. Nikala, tap ninji chimbo take, clinchy chibi, jin chene, calacheta in chimbi, shit and dubudes. Tinit did a docho. Tela docho, ne color, tap hinge chimbo digger, yenengi juchene, dame but of a shut up de, clinchy chibi, jin chiba latene, tinin de color, jinny be chimbo to put like your rest. Ah, so he now, yeah, so it's telling the there's a cause for the days. When we are saying the Buddha possessed this kind of the ultimate yogic valid cognition. It is not a costless because Buddha has accumulated merit and the wisdom when he was on path due to that, so he can possess this kind of the quality. Yeah. Jitara Kempe and Jinyeba Kempe. Jinyeba Kempe.
Donc voilà, c'est simple en anglais. Maintenant, en petit peu, c'est un peu plus technique. Cette omniscience, c'est-à-dire cette cognition validirette yogique, exclusivement détenue par les Bouddhas, okay, a deux causes. Deux causes, ok, générale. La sagesse qui réalise les deux non-soi et la sagesse et la méthode, la grande compassion, compassion illimitée. Voilà. Deux, ok. Mais des choses simples. Sagesse, compassion, sagesse des non-soi, hein, pas n'importe quelle. Sagesse des deux non-soi, ok. Et compassion illimitée. Bon, quand on dit que la sagesse des deux non-soi, la sagesse qui réalise l'inexistence en soi des personnes et des phénomènes, des deux non-soi, est la cause Nyerlen proche ou qui aide, aidante, et que les méthodes, c'est-à-dire la grande compassion, et la cause immédiatement précédente, ce qui est produit dans cet ordre-là, c'est l'omniscience des choses telles qu'elles sont. Okay? Lorsque, à l'inverse, on dit que la méthode, c'est la sagesse des deux non-soi, c'est-à-dire c'est la cause immédiatement précédente, alors que la cause qui aide, aidante, proche, c'est la grande compassion, cela produit l'omniscience des choses tout autant qu'elles sont. Il y a deux omnisciences. L'omniscience des choses telles qu'elles sont et l'omniscience des choses tout autant qu'elles sont. Selon que les causes, on va dire ça simplement, sagesse et méthode sont causes proche ou cause immédiatement précédente. En tout cas, les deux omnisciences sont détenues par le Bouddha. Omniscience des choses telles qu'elles sont et omniscience des choses tout autant qu'elles sont constituent l'omnisciente cognition valide, directe, yogi de Bouddha. Et donc, ce qu'a dit ensuite Rinpoche en anglais, c'est que simplement, il faut accumuler du mérite et de la sagesse sur le chemin pour avoir la bouddhéité. Voilà. Ok. Tene ta de parsele chidang tene nanjung sum te chidang ta khalo tar tu bi che do ju ra so khalo tar tu bi ne jom no sum nanjung sum ya tar tu khalo ra kana la ta tar tu la na tar tu ra ultimate ra so the duration to became to achieve the ultimate yogic valid cognition. Mm-hmm. So there is, as we said, there's three different type of the valid yogic valid cognition, direct valid cognition. Okay. Nyentö, it's like Shravaka, and Rangsangye, in particular Buddha, then Janju Senpa, Thepa Chenpo. Then Kalawara, so they can achieve their ultimate yogic direct valid cognition. Tesumla. So Rangsangye tenzo Kalpajja. Hey, Kalpajja. Rangsangye Kalpajja. Then ta kalau de Janju Senpa ta kalau Thepa Chenpo lula. Kalba tamesum lagi yores. Okay. Tsesum kozo le niente. Niente. Niam lamson ra. Tsesum ra. Tsesum. Ugyo pora kozo. Jobore. Ai. Lasa. Kozo kaze tapshi mixe yorepe. Kare. Niente kozo. Tapshi mixe yore lagi yomare. Because their yogic direct valid cognition is not good quality. Nah. I didn't say job. They can okay, easily. Chipare in an it. Chipa Moina, to do Nipoina,
Je ne sais pas, Chargilé. Ah. Durim Poina. Oh, yeah, yeah. Je ne sais pas, Chargilé. Sanjig, Namchen, Chete, Kalabar Tamir Sumla, Nikalaur, Bezochine, Tobades. Cette cognition valide ultime, cette cognition valide yogique, cette cognition valide directe ultime yogique, on peut dire en fonction de la durée de réalisation est divisée en trois sortes. Premièrement, ben, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, la cognition valide directe yogique des auditeurs, les Shravaka. Ensuite, la cognition valide directe yogique des Pratika Bouddha, des Bouddhas par soi. Et ensuite, la cognition valide directe des Bodhisattvas. Okay. Alors, quand on parle de durée d'accomplissement, de durée de pratique, la cognition valide des auditeurs yogiques, ultime, hein, pour eux, c'est l'ultime, des auditeurs est réalisée en trois vies. Pour les Bouddhas par soi, c'est réalisé en 100 kalpas, 100 éons. Et pour les bodhisattvas, c'est réalisé en 100 petits kalpas. Et pour les bodhisattvas, c'est réalisé en 3 kalpas immenses, 3 kalpas immensurables. Alors, je disais, mais pourquoi les auditeurs, ils réalisent en 3 vies et tout ça, ils ont des méthodes spéciales un peu, magiques et tout ça. Ah non, ils disaient, c'est simplement parce que c'est de mauvaise qualité. Et donc, c'est 3 vies. Okay. Yeah, I think so. So we will stop here today. Then so if we just give like very like brief summary here. So because he prays like Buddha, because Buddha is a valid person. When we are talking about the valid person, because he has ultimate this yogic direct valid cognition. So then. Yeah, how if we say like how he can have this kind of the ultimate direct valid yogic cognition, then we say this because he have accumulate merit for the eons like three kalpatame sungating. Yeah, so then it's like this is just like a short summary what we talked today. That's awesome. Pour résumer. En bref, le Bouddha, alors dans l'hommage, on est juste dans l'hommage, de Dignaga au Bouddha en tant que validité même, en tant que fiabilité même, en tant que personne en quelque sorte fiable. Pourquoi il rend hommage à la fiabilité du Bouddha? Parce que le Bouddha possède cette cognition valide directe yogique ultime. Voilà, c'est ce qui le qualifie, c'est ce qui le rend fiable. Okay? Et comment a-t-il obtenu cette cognition valide directe yogique ultime? En accumulant du mérite et de la sagesse pendant trois kalpas immenses. Et donc voilà en résumé en fait tout ce qu'on vient de présenter. Ok, so, and if there's any question? Et sur ce, s'il y a des questions. Tout à l'heure, on a demandé pour ceux qui sont en ligne. Hein. Ceux qui sont en ligne aussi peuvent poser des questions. Ouais, j'avais une question. J'avais cru comprendre qu'à un moment, on avait parlé dans le sens là, il y avait aussi l'autorité des textes qui était compris à un certain niveau dans les questions de validité, de connaissance de l'autorité des textes. Je crois moi. C'était un peu mélangé. Et puis il y a aussi, je pensais à la cognition valide quatrième du yogi. Ça me fait penser aux Dzogchen, c'est-à-dire l'œil dans l'œil, en fait, le côté, la perception qui s'auto-analyse quoi, en même temps. C'est-à-dire la conscience visuelle, avec une conscience qui analyse aussi cette conscience visuelle. Qui permet cette espèce d'objectivité quoi. Et donc est-ce que ce serait ça ou ce serait différent, c'est la question? Oui, c'est ça. Est-ce que c'est un peu
Parce que ce n'est pas forcément la même école, mais bon, parce qu'on disait l'œil dans l'œil, la vue dans la vue, l'audition dans l'audition, enfin, un truc comme ça un peu. Et ça m'a fait un peu penser à ça quand j'ai entendu exposer le coaching. Ah, ok. Tu vas t'en dire. Peut-être que le lung, regardez, lung, texte. Lung, dans coco, le mien, son nema. Lung, dans le tsema, yore. Lung, tsema. Lung, tsema. Dit carré de dit. Lung, tsema, te, calore. Yeah, because text. Usually, sometimes we will we distinguish like a tsema shido, like a four valid cognition, not a cognition, four valid tsema shi. Tsema shi. Jidan kala or lung tsema nan tindes jidan tanga jai yores. Tsema yempa ya pe ninja tsema nan shi pe tsema nan tindes. Pe tsema. Tinde ya shi ya yores. But in here. In a dikala digaji tata nana in sema ni shigi yores. Sema ni bujumsente because of the yul ni yula tine kala rang senda jinsi ni mayimbo yul yomares tiki jumsene tindagi yores. Lung sema zezo kala wale sema ni shigi kasa la jeba sema nana pa dupu res. Sheba yimba tinto. Oui, alors ça, oui, c'est une autre explication de tsema. Alors là, on n'est pas dans la cognition valide, on est dans tsema, ce qui est valide, ce qui est fiable. Donc, on peut prendre l'autorité de scriptureur en tant que fiabilité. Là, on parle en fait de la fiabilité de l'exemple, hein, de l'illustration. Là, Dignaga, dans son traité, il parle surtout de deux validités, de deux cognitions valides, hein, directes et inférentes, ou directes ou indirectes. Parce qu'il a distingué les choses à connaître en deux catégories d'objets. Hein. Les choses, on a dit tout à l'heure les catégories, les catégories caractérisées de manière générale et caractérisées de manière caractéristique, hein, individuelle. Et donc, en fait, selon ces deux objets, il définit deux cognitions valides dans son traité. Mais effectivement, il y a l'autorité scripturaire aussi en tant que validité, qui peut valider. Allez. Tu vois, ni pas dit, Kogi l'absent là, Annie Kogi Zorchen non là, Kogi Kachenien son là, Kogi Zorchen non là, Kosogi Mik Gi Mik la Tagire, la Gire Koso, Annie Amcho là, Amcho Gi Amcho Nien Gire, dit d'Aura, Annie, je sais pas dit, dit non là, Jarwa, ce sont Jarge. Rambab d'Aura, je sais pas dit. Dit, et Nelson, regardez, Nel Jorgi Nelsum Sema, Annie Direpe. Nanjungosum Sema te Kalaore. So it can be like both. Because when we are talking about if he's talking about like a being on itself, being on itself means like that you are dwelling your mind on its own nature. That is like what usually when we talk about all this like practice dogma and all those things. So so we are not talking about like all this like tantrayana. So because now we are talking about mainly about the sutrayana. Among the sutrayana is also Savatantrika school we are talking. Savatantrika school. Ok, donc en fait, si j'ai bien compris, j'ai traduit comme ça ma rangbap et tout ça. L'esprit qui se pose dans lui-même, la conscience qui se pose en elle-même, dans sa propre nature, elle se pose en elle-même. Bon. Alors, quand on parle de ça, rangbap ou se poser en soi-même, où la conscience se pose en elle-même, dans sa propre nature, tranquillement, dans le Dzogchen et tout ça. Là, on parle du Tantrayana, en fait. Okay, on parle du Tantrayana, ça, c'est autre chose. Là, on ne parle pas du tout de ça ici. Ici, non seulement on est dans le Sutrayana, mais en plus, dans le Sutrayana, on est à la base même, l'école des Vaibhashika.
Première des écoles. Non, Sautantrika. Ah non, Sautantrika, pardon. Sautantrika, deuxième. L'école des Sautantrika, pardon. Et donc, c'est vraiment basique du sutra yana. Mais un sutra. Donc, en fait, il n'y a pas tellement de comparaison opérable. Mm-hmm. Oui. Il y a deux autres. Oui. Bonsoir Rinpoche, merci beaucoup pour cet enseignement et très heureuse de vous voir. J'ai juste une petite question, je ne sais pas si ce texte existe en français, mais quelle différence y a-t-il entre ce texte et le traité du troisième karmapa, Namche Yeshe? Parce que je retrouve le même type d'enseignement, mais bon, c'est juste le début, là, c'est juste, voilà, merci, c'est tout. Alors, tout dit chez Rinpoche, tout dit chez Pega Ojonsombo. Année, tu dis, Pechad, Teb dit loi, tu dis na franske yore yome gomason, ina modi, dit Pecha dit dans Karmapa Sumpa dit Nyamche Yeshe, ni Pecha, test d'aore pe, test d'aore, nous Samson. I think like some part it must be like corresponding because. When we're talking about all this, like mind and things are like very corresponding, but at the same time, because what we are talking now is like this, yeah, as I said earlier, it's like Sautantrika school, yeah. So when we're talking about Namche Yeshe, obviously it's like Madhyamika school. So even in like within Madhyamika school, it's also like Uma Shentongpa. Shentongpa. Yeah, Uma Shentongpa. So it's like little, of course it is little different, but like, yeah, so in the Kalawara, the Tada Ngaranso, when we're talking about this, yeah, Sautantrika school, then it doesn't really match. Otherwise, like, like according to the what to say, yeah, Tsema Rikshun Janso and all those things, so it can direct, it can lead to the Uma Shentongpa also. Alors on peut dire qu'il peut y avoir des correspondances. Parce que de toute manière, là, on parle de l'esprit, on parle du fonctionnement de l'esprit, on parle du fonctionnement de la conscience. Entre les deux traités, il peut y avoir des correspondances, mais il faut quand même bien, en quelque sorte, ranger les choses à leur place. Là, on a dit qu'on parle du point de vue, on adopte le point de vue de l'école Sautantrika, ce qui n'est pas le point de vue adopté par le troisième karmapa dans sa distinction, enfin, Namche Yeshe. OK? Là, il adopte plutôt le point de vue du Madhyamika, l'école de la voie du milieu. Et en plus, à l'intérieur du Madhyamika, il adopte la position des adeptes du vide extrinsèque, Shentongpa. Du coup, c'est une position bien particulière, d'accord, qui n'est pas compatible entièrement avec ce qui est présenté ici. Alors, la vue est différente. Et par contre, dans une autre présentation des cognitions valides, dans l'océan du raisonnement sur les cognitions valides, dans ce traité-là, alors ce traité peut mener à la position des adeptes du Madhyamika, du Madhyamika, adeptes du vide extrinsèque. Ça peut mener. Lead, ça peut mener. Ok. Ok. Ça va? Oui, ok. Merci. Welcome. Je suis Marie-France. Je voulais savoir si Rinpoche pourrait nous conseiller un livre sur la question qu'il a abordée aujourd'hui. Langue Teb. Teb lilao ngaso de teb lilao lilao yolepe teb ngaso lil hagoya micheto de teb di korla di tsema di korla teb lilao yolepe lilao ya from injik injike
I'm just picking up the point from the different texts. So I'm not really basing on the one text now. Because I mean, so since it is just an introduction only, so I'm not basing on any like particular text. I'm just picking up the point from the different texts. Donc en fait, Rinpoche a dit, il ne sait pas si ça existe si ça peut exister en anglais, mais ce qu'il fait lui, c'est qu'il prend dans différents textes, prend dans différents commentaires, parce que tout ce qu'il veut nous présenter, c'est une simple introduction. Mm-mm. Donc il ne prend pas dans un seul livre. D'accord, merci bien. Okay. Il y a encore une question. Please write. C'est où? Good evening, Roger. Is this the same explanation in the Kejuk that Jima Rinpoche asked his disciple to study, please? Study. Thank you very much. Okay. Good evening, Rinpoche. It is the same explanation in the Kejuk that Jima Rinpoche asked his disciple to study, please. Jima Rinpoche, Gi Kogi Loma. Kongi Loma, Tarche Roa, Jong, Jongole Lapson, Ina, Kejuk Inan la. Didi Tik Parepe. Kinju de Tiwa de Vese. Une salle, Tiwa di. So, what part of the. Parce qu'on ne sait pas trop en fait si qu'est-ce qu'il demande de Jima Rinpoche. So, yeah, so actually. Yeah, Kejuk. Kenjuk is also kind of like a summary for the all many different texts, yeah. Wow, yeah, many different texts. Mm. Like some part of the Abhidhamma Kosha. Some part of like Abhidhamma Samuchaya, then so many things. It's kind of like a collection, and also it's a kind of a summary. So due to that, in a Kenjuk, there's not really particularly talking about Thema. Donc, ce qu'on appelle le Kenjuk, l'entrée dans l'omniscience, le de mi parole budget, hein. C'est en fait c'est une compilation, hein, de différents textes, de différentes approches de l'épistémologie, l'Abhidharma, l'Abhidharma Kosha, l'Abhidharma Samujaya. En fait, c'est une collection de différents textes, et donc on ne trouve pas dans le Kejuk, donc dans cette entrée dans la connaissance de mi parole budget, de chapitre sur la cognition valide. Donc non, réponse est non. But obviously, so it will, like if like study Kenjuk will help to understand, like some it supports to understand also. And also if you know Sema also it will support to understand Kenjuk. It's like all are dependent. Il y a quand même un lien, parce que si on étudie le Kejuk mentionné dans la question, ça nous aide à comprendre la théorie de la perception valide. Et si on étudie cette théorie de la cognition, de la perception valide, la cognition valide, ça nous aide à comprendre le Kejuk, l'entrée dans l'omniscience, enfin l'Abhidharma, quoi. Yes. J'ai encore une question. Frédéric, c'est à toi. Ah, d'accord. Excusez-moi, vous m'entendez, c'est bon? Oui. Oui, ok, parfait. J'ai une question sur. On est passé un peu vite quand on était à la conscience sensorielle. Donc, on avait tout cet exemple avec l'œil, etc. Donc, on avait une condition maîtresse, on avait une condition objective. Et donc, la condition maîtresse était effectivement la faculté sensorielle. La condition objective était qu'une empreinte dans cette faculté sensorielle. Ensuite, on passait à la troisième condition qui était la condition immédiatement précédente. C'est comme ça qu'elle a été formulée. Ensuite, elle a été formulée comme l'instant de conscience, ou plutôt de cognition qui précède. Et je n'ai pas compris ce que ça voulait dire.
C'est-à-dire, ça précède quoi? Pourquoi est-ce qu'elle est... Parce qu'elle vient, elle vient en troisième, pourtant elle précède quelque chose. Donc, est-ce qu'elle précède du coup la cognition mentale? Voilà. OK. Donc, la question, c'est sur la condition immédiatement précédente. Hein, hein? C'est ça? OK. OK. Alors, on cognitiva, on va dire. Wampoging, un sum. Wampoging, un sum, des capsules. Ken sum, cognitura. Ani, darkpog, ken, mikpay, ken, ani, dematarkpegi, ken. Ko, dematarkpegi, ken, des tests, gommation. Kajan a dit. Ngung, la loi. Ketching, que. Je sais pas, ketching, ngung, la. L'absence. Kogi, gommation. Ngung, la, ngung, la, karewa. Karina. Ok. Test, gommation. Ok. Cool. Yeah, yeah. It is. No, it means that like immediately means like each and every mind consciousness, it has to be there is a, before that it has to be there is a one mind to produce the second mind. This is what tematache. Sheba yingur. Sheba kichingama. Alors. En fait, ça s'inscrit dans la compréhension que ce qui fonctionne là, c'est un courant de conscience, on appelle ça, courant de conscience. Ça veut dire que ce courant de conscience, ça c'est mal traduit, hein, évidemment, c'est des instants de conscience qui succèdent à des instants, c'est formé d'instants de conscience. Ce n'est pas un courant continu, hein, ok? C'est un courant discret, là. Formé d'instants causalement reliés. Donc, des instants de conscience précèdent des instants de conscience qui vont succéder là, et qui vont être eux-mêmes les instants de conscience précédents de l'instant de conscience suivant, etc., etc., etc. Donc, c'est des instants de conscience. Et du coup, quand on parle de l'instant de conscience précédent, de la cause immédiatement précédente, c'est l'instant de conscience qui précède juste la cognition. Est-ce que ça répond à la question? Donc du coup, c'est quoi la cognition à ce moment-là? La cognition pour vous, c'est la cognition mentale? Parce qu'en fait, on est dans les deux cognitions, on est déjà dans la catégorie cognition valide, directe ou inhérente. C'était le départ de tout l'enseignement ce soir. On a commencé avec deux cognitions valides, directes et inhérentes. Donc on est déjà ici, quand on parle de la cognition valide directe, on est dans la cognition valide directe sensorielle. OK. Et on est dans les conditions de la cognition de manière générale. Donc, toutes ces. Et ensuite, on énumère donc, les trois conditions qui sont à l'intérieur de la cognition. Donc, tout ça, en fait, fait partie de toute façon de la cognition. Donc, c'est là où j'ai du mal. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose ici qui, visiblement, il y a une étape en trop. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a juste la condition maîtresse qui est la faculté sensorielle qui mène ensuite à une condition, ensuite à la condition objective qui est celle de voir? Mais il y a là un troisième point que, bon, visiblement, je ne sais pas, j'arrive pas à le caser, ce troisième point. Parce qu'on avait une condition valide, une cognition valide directe sensorielle. Ouais. On est là-dedans, passé à la cognition valide sensorielle directe, donc visuelle. Ouais. Et là-dedans, on a dit quelles sont les conditions pour voir. Ouais. On dit la première condition maîtresse, c'est donc celle de la faculté sensorielle. La deuxième condition, c'est la condition objective, qui est celle de voir. Et ensuite, il y avait cette troisième condition immédiatement précédente. Ouais. Alors, est-ce que là-dedans, il y a cette... Parce que je comprends bien qu'il y a effectivement des étapes qui succèdent. Et donc, forcément, il y a... l'un qui précède l'autre, mais là, elle a été affichée comme une condition, non pas comme quelque chose qui simplement existe et qui est simplement précédent. Donc, ou bien c'est la condition objective, donc la deuxième, qui est elle-même la condition précédente à la cognition mentale, ou bien elle a une existence en tant que telle. Mais cette existence en tant que telle, je l'ai ratée. C'est-à-dire on est passé immédiatement à la cognition mentale. Quand est-ce que tu dis la gomme à son là? Qui est-ce que tu dis?
titinargo ken gitsen ni gomason ko na ko ken ko na son ken sum yore lo na ken sum ke je sais pas mi gi je sais pas non la loi ken sum yore la son disons ko ko gin sem non na mi gi je sais pas chic do do ani di chic do ken sum ni non la gogi do do denis ko ko gomason ka de na ngeng la yore Nara yor karang ne. De matin. De le kadena ngeng la yore tes gomason des chelour la kaka charson. Chic. Ani ni pas dit ta yon dans ni pas dit ngesum kare bon pok ngesum semarwa. Ani dit ngebon ngesum sema di janda de matin qui en dit di janda repé. Il y en a dit non la dou. Obviously, like when we are talking about the chen, so it has to be before the result. Yeah? Each and every cause and condition, it has to be before the result. Yeah? So it cannot be together, cannot be later. So this is for the, this is like how the cause and law of the cause and effect. Law of cause and effect. When we are talking about the this immediate condition, because we are saying each and every mind, there should be another mind which is like a collaborative continuity. Yeah, so like without, if there is no mind before, then it's like cannot be a mind the junche dura sheba junche dura yara tin de gasle sheba thama la sheba chingun do go de la ga that is why that is what we call that immediate condition so and yeah so so means is that go de digite la okay ra li laura yeah okay didi ça ça sont arrivé moi Allô, on va parce que sinon parce que en fait c'est la même chose donc en fait il y a peut-être quelque chose qui a pas été compris. Qu'est-ce qu'on appelle condition, hein? Ok. Parce que condition, quand on dit il faut des conditions de possibilité, c'est-à-dire que ça vient inévitablement avant l'événement. Est-ce que ça c'est compris? Est-ce que j'ai compris? Alors non. Est-ce que condition c'est compris? Les conditions de possibilité de production d'un événement. Il faut qu'on comprenne ça d'abord. Ça doit venir avant l'événement. Pour le dire autrement, ok. Pour produire un instant de conscience, il faut des conditions. Ces conditions doivent être là avant l'instant de conscience. Est-ce que tu captes? Ça, oui. c'est les conditions, c'est comme ça. Il faut des, tu peux appeler ça cause ou comme tu veux, mais c'est condition. Donc, il faut que les conditions soient, il faut que les conditions précèdent l'instant de conscience. OK. Bon, l'instant de conscience dont on parle, c'est une cognition valide directe visuelle, par exemple. OK. Pour qu'une cognition valide directe visuelle puisse avoir lieu, il faut qu'il y ait des choses qui se soient passées avant. Oui ou non? Oui. OK. Donc, parmi ces choses, il y a ce qu'on appelle un instant de conscience qui précède. Parce que s'il n'y a pas d'instant de conscience, ou s'il n'y a pas de la conscience qui précède, alors, qui va percevoir? Ce sera coupé, tac, au bout d'un moment. Okay? D'accord. S'il n'y a pas une succession continue d'instants de conscience, dans ce qu'on appelle un continuum mental, et si et au bout d'un moment il y aurait un trou là, et comment l'instant conscience suivant va pouvoir apparaître? Et donc, puisqu'il faut absolument que le courant de conscience, que le continuum mental soit continu, il y a forcément un instant de conscience qui va précéder la cognition. Et donc cet instant de conscience qui précède la cognition est une condition indispensable à l'apparition, en l'occurrence, par exemple, de la cognition valide directe visuelle. Bon. Et donc, on appelle ça techniquement
la cognition immédiate, la condition immédiatement précédente. Rinpoche a dit que il faut être au courant un peu de comment la causalité s'agence, tu vois, la causalité s'agence de sorte que la cause et les conditions sont inévitablement antérieures à l'effet. Ok. Et donc, quand c'est compris, on ne peut pas dire que… Mais comment ça, la cognition se produit et à l'intérieur de la cognition elle-même, il y a trois causes. Non. Non. D'accord ? Ça marche ? Dans la causalité, la cause et les conditions précèdent à tout, inévitablement l'effet. Oui, je vois. Voilà. D'accord. Donc, on a en fait deux conditions qui arrive dans une troisième. Non, ce n'est pas les conditions. Ah, si, parce qu'on a les conditions maîtresses, la condition objective, qui ensuite arrive dans la conscience, dont l'existence… Il n'y a pas les ensuite. Kogi, Darkpo, Darkien, dans Mikien, Tempo, Jargile, Ani, Nipa, Dijila, Zimakarkien, Kegilebe. Madam, so this all these three conditions is like before this this senses of valid cognition, direct cognition. Ça super challenge. Mais non, il n'y a pas d'histoire de les deux premières et tout ça. Faut oublier ça, faut oublier les noms de maîtresse. C'est ensemble, c'est les trois conditions sont simultanées. Oui, oui, je suis d'accord. Oui, voilà. Je suis bien d'accord. Il faut que les trois arrivent ensemble, oui. Okay. Ok. Est-ce que c'est possible qu'il donne un exemple de un exemple d'un événement, pour que ce soit plus visuel pour qu'on... Un exemple de quoi? De ce qu'on vient condition, de dire, de ces trois étapes d'événements qui se succèdent, pour qu'on puisse vraiment accéder. C'est là, on a mis le poche. C'est simple, mais si vous pouvez réduire au maximum à travers un exemple. Et pour moi, c'est bon. Hein. Merci. Attends, parce que. Mohagoya Gichet, c'est donc P, son runan. P, Kensum. Quand est-ce Kensum, l'Ika Djegile? Kensum, Niamte, quand est-ce l'Ika Djegile? P, Jana? So, okay. So now I will give you an example. Now, what time is it now? It's like 10 past 4 minutes. Yeah. Mm. 10 past 4 minutes and 10 past 4 and 20 seconds. 10 past 4 and 20 seconds. Yeah. Mm. So when I'm looking at this ball, so there is like 10 past 19 minutes. There's one ball on 10 past 19 minutes. It's a Mickey. Mickey. Condition of the object. That 19 minutes. The one, the ball, ball which is at the 10 past 19 minutes is a 19 minutes. Second. Second. 10 past 4 and 19 seconds. Ball is the Mikien. Condition. Mikien. Yeah. Okay. Then at the same time, so 10 past that, like that my mind, I have one, I have my mind, which is also on that 10 past 4 and 19 seconds. Yeah. Mind also. Okay. Yeah, mind. So which is like, which is that immediate condition. Immediate. Yeah, immediate condition. Then I have immediate. Yeah, organ also. I have organ that, or whether is it, I call it that some kind of flower form or energy or whatever power, so whichever it is. So that one is, so that was one is that, dominant condition, yeah. That's because of these three, I can see on a 10 past 4 and 20 seconds, I have one that eye consciousness. So that is because of on 19 minutes, I have for this turn that eye consciousness, which is on that 20 seconds. Yeah. So this is the clear? So if I give you the
example on the second. Là, alors, c'est très grossier. On prend, c'est des secondes. Hein, c'est des instants de conscience. Mais bon, là, c'est des secondes. On prend. Donc, il était 10h, 4 minutes, 20 secondes. À 10h, 4 minutes, 20 secondes, l'œil de Rinpoche a vu, cognition validée directe, le bol. OK ? Pourquoi ? Comment ? Tout simplement parce que à 10h, 4 minutes, 19 secondes, il y avait la présence du bol. OK ? Cognition objective. Okay. Il y avait la présence, il était conscient, il ne dormait pas, il était conscient. Et donc, il y avait la présence d'instant de conscience qui précédait. Et il y avait la présence de son œil. Alors, des fois, on dit son œil, l'organe, ou bien des fois, on dit, selon les différentes écoles, on a vu, hein, que c'est la faculté visuelle, c'est comme une forme, une fleur faite de matière subtile à l'intérieur de l'organe œil, ou les Shtamatra, l'école de l'esprit seul, disent que c'est dans le courant de conscience, la base de tout, qu'il y a la potentialité de la, enfin, peu importe, de la potentialité de l'organe sensoriel. Peu importe, l'organe sensoriel était là. Attends, je reprends. Je regarde. Okay. À 10h, 4 minutes, 19 secondes, il y avait trois choses. Il a vu à 20 secondes. Hein. Le bol a été vu à 20 secondes. À 19 secondes, un instant avant, il y avait obligatoirement trois choses. Ces trois choses, c'est les trois causes. Donc, il y avait le bol, l'organe, l'œil, et il était conscient. Donc, il y avait des instants de conscience qui précédaient. Il était conscient. Okay? Et donc, voilà, il y avait trois. Et donc, les trois à 19 secondes font qu'à 20 secondes, le bol a été vu. Et est-ce que tu peux lui poser une question, s'il te plaît? Est-ce que tu peux lui dire que si, par exemple, il manque la vue, est-ce que la personne, elle peut accueillir l'information de la même manière? Alors, la vue, c'est quoi? C'est l'œil. L'organe. Ouais. L'organe, ok, l'organe. Ouais. L'organe, c'est Daken, la cause maîtresse. Ouais. Ok. Ami, Mogitiwa dit. Daken mena pena de wangpo mena tongilepe. S'il n'y a pas de faculté sensorielle, il n'y a pas de vision. Ça ne peut pas s'opérer. Il manque. Alors du coup, comment ça fonctionne pour les personnes qui sont aveugles? Lenzan. Aveuglane, bekelame, goliabi, blind, goliabi, de mikshe. Mikshara. Mikshara ina, koso tongimaroa. So tongimaroa. Les aveugles ne peuvent pas voir, par définition. Non, mais ils peuvent imaginer aller dans l'esprit, c'est ça que je veux dire. Enfin, s'ils ne le voient pas directement, s'ils ne le voient pas visuellement, ils peuvent l'imaginer dans l'esprit. Ok. Miksha Pakoso, Tong Menayang, imaginez-la, imagination, Torpa, Samlo Torgirepe Koso. Ah, ça c'est la question trop tôt. Ça va venir après demain. Ok, so we will do the dedication. On fait la dédicace. Je dis parce que ça fait quand même longtemps. Ok. L'attention. Ok. Non, je peux pas. Oh, sonam de tamje zigwanye tobne nyebe ranam pamje ne jega na je balavan chogwaye sibe tsolen dowa dowa ra sho. Okay, so good night, everybody. Good night.